Alors, c'est dans le cadre du mois sans tabac. Donc, la ville a trouvé l'opportunité, hein, puisque avec la CGSS qui organisait justement cette action. Donc, on a trouvé ça opportun de proposer ça aux collègues, justement, parce que nous savons que nous avons des collègues qui sont fumeurs. Donc, c'est une journée de sensibilisation pour justement leur permettre, parce qu'on sait qu'arrêter de fumer n'est pas facile, n'est pas évident. Mais c'est pour justement leur permettre de voir les actions qui sont mises en place pour les aider justement pour arrêter de fumer. Je témoigne par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à mon opération. Moi, j'aurais bien aimé que tous les fumeurs, pratiquement, s'ils peuvent arrêter de fumer, ce serait une bonne chose. Parce que c'est pas évident d'arrêter, mais lorsqu'on voit un médecin qui te dit, bon ben voilà, vous avez un cancer, il faudrait que vous arrêtiez de fumer, sinon vous avez pratiquement 15, 2 ans de vie devant vous, ça vous fait un choc et vous êtes obligé d'arrêter. Et c'est pourquoi, bon ben, depuis, j'ai arrêté. Moi, j'aurais bien aimé que pratiquement tous les fumeurs, s'ils peuvent arrêter de fumer, ce serait une bonne chose déjà pour eux. Mais ce serait une bonne chose pour les gens qui sont autour d'eux quand même. Parce que fumer, c'est une bonne chose si on veut. Mais par rapport à tous ceux qui sont à côté de nous, on les empoisonne en quelque sorte. L'objectif, c'est d'aider les gens à rentrer pendant un mois dans soit l'arrêt total du tabac, donc c'est de voir, ou en tout cas dans la réduction. Donc, on leur explique un petit peu quels sont les mécanismes de la dépendance, quels sont les moyens qu'on leur propose et comment ils peuvent être accompagnés.